Hello, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière partie du point lecture du mois de juin. Je vais vous parler des derniers livres qui m'ont accompagnée avant de passer au mois de juillet. Donc si vous n'avez pas vu les deux précédents updates lecture du mois de juin, je vous invite à aller les regarder juste ici. Comme ça, vous aurez vraiment une vision bien plus globale sur les livres qui m'ont accompagnée le mois dernier. Je commence cette update lecture avec L'As de cœur de Morgane Moncomble, une romance dans le monde du poker qui m'a beaucoup plu. Avant d'aller plus en détail, je tiens à vous préciser que ce roman est disponible sur l'application Nextory, qui est une application de streaming, un petit peu le Netflix de la lecture. Si vous voulez la tester, vous avez mon lien en barre de description qui vous permet d'avoir 45 jours gratuits. Bien entendu, nous sommes sur un lien affilié, c'est-à-dire que quand vous faites les 45 jours de test, moi je perçois un petit quelque chose et ça permet aussi de me soutenir au quotidien. Donc merci de tout cœur à ceux qui me font confiance et qui utilisent mon lien. À présent, je vais rentrer plus en détail dans l'histoire de L'As de cœur sans vous spoiler bien entendu. Dans cette histoire, nous suivons Rose et Lévi qui ont la passion du poker en commun. Elle a le don de repérer les gens qui bluffent, elle déchiffre le langage corporel comme personne. Et lui, il a un but, devenir le meilleur joueur de poker. Et pour cela, il va passer un pacte avec la jeune femme afin qu'elle vienne l'aider lors d'un tournoi à Las Vegas. Sauf que il faut absolument qu'il batte Tito Ferrani, qui est son plus grand ennemi de toujours. Et celui-ci cache bien son jeu. Et la relation entre Lévi et Rose va être assez tumultueuse au milieu de tout cela. Las Vegas va être à la fois la némésis de nos deux héros, mais aussi leur enfer entre mensonges secrets et actes de vengeance qui seront très très présent. Alors, il faut savoir que je suis une grande fan des écrits de Morgane Moncomble. C'est une autrice que j'adore. J'ai d'ailleurs pleuré comme jamais quand je l'ai rencontrée à Montreuil en décembre parce que j'ai bien cru que j'allais pas pouvoir la voir en faisant la queue. Il y a eu un gros problème d'organisation. Bref, je passe les détails, mais j'avais été très émue par cette rencontre parce que je suis vraiment très fan de ses écrits et notamment du roman Nos âmes tourmentées. Je vous mets la photo juste ici. Donc, je savais que j'allais passer un bon moment avec l'autrice et même si c'est pas mon roman préféré de sa plume, cette romance a su me faire passer un bon moment et elle se dévore avec énormément de facilité. Rose et Lévi, ce sont deux personnages très sympas. Ils n'ont pas forcément une histoire de vie très originale, mais par contre, le contexte dans lequel se passe la romance, qui est celui du poker, lui est assez peu commun parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de romances qui se passent dans ce cadre-là. À travers le jeu, Morgane Moncomble a su développer une ambiance assez sombre entre vengeance et mensonge. Et en même temps, on a cette petite lueur d'espoir qui encadre les personnages. On a une histoire d'amour qui est assez mature malgré un contexte atypique et des sujets qui peuvent toucher aux addictions, que ce soit à l'alcool ou au jeu. Je précise parce que pour moi, ça fait quand même un petit peu partie des trigger warnings. Et donc, j'ai vraiment passé un très bon moment, mais j'ai surtout apprécié la psychologie des personnages qui est très bien développée, notamment avec les sujets dont je vous ai cité précédemment, mais aussi ce que j'ai apprécié, c'est la tension entre les personnages. Et en romance, vous savez, cette petite tension, cette attraction, c'est tellement essentiel pour apprécier le livre dans son entièreté. Et puis on a un aspect séduction qui est très présent et qui contribue justement à cette tension. Et malgré cela, on a vraiment quelque chose qui prend son temps. C'est-à-dire que les personnages se sautent pas dessus dès le début de l'histoire. Voilà, ce serait un peu bizarre, mais parfois, dans certains romans, ça arrive. Du coup, comme la romance prend son temps, je trouve ça très agréable et ça renforce aussi un petit peu cette alchimie qu'il y a entre eux. Après, j'avais quand même une petite peur en commençant ce roman parce que moi et le poker, je n'y connais absolument rien et c'est pas forcément quelque chose qui me passionne. Du coup, je me suis dit, mais mince, selon comment c'est écrit, je vais peut-être pas tout comprendre, je vais peut-être pas être à fond dedans. Et ben si,
J'ai absolument tout compris. Déjà, Morgane Moncomble nous explique au début un petit peu les règles et tout ça. Mais surtout, malgré qu'on soit dans un aspect compétitif au milieu du poker, on a beaucoup de rebondissements. Et ces rebondissements, eh ben, ils sont vraiment très très sympas. Et cela combiné avec l'attraction entre les personnages, bah, ça m'a fait passer un super moment et j'ai vraiment pas eu le temps de m'ennuyer. Et donc j'ai lu le spin-off de celui-ci qui est L'As de Pique, mais comme je l'ai terminé tout début juillet, je vous en parlerai dans un prochain update lecture. Dans cette update lecture, vous verrez qu'il y a beaucoup de romances, même si le livre suivant sera une romantaisie. Mais pour le moment, je vais vous parler de Fan Squad de C.S. Quill, qui est vraiment une romance parfaite pour l'été. Si vous voulez la découvrir, elle est également disponible sur l'application Nextory. On est dans un trope avec la rockstar et une fan. Notre héroïne qui s'appelle Elvis, elle est vraiment fan de Hoxton Briggs, je crois que c'est son nom de famille, j'ai un petit doute. Et quand on rencontre son idole et que bah, celui-ci s'avère décevant, c'est pas terrible quoi. Donc Elvis, elle est vraiment très très fan depuis très longtemps du groupe des Hounfouls. Et elle travaille dans une boîte de community management où ils gèrent un petit peu les artistes, leurs réseaux sociaux et tout ça. Et il s'avère qu'Hoxton, en plus d'être le chanteur d'un groupe de musique bien adulé et tout ça, il souhaite se lancer dans une carrière solo en cinéma, mais pour cela, afin que la transition se fasse correctement, il a besoin d'une community manager. Donc, lui et son groupe de musique vont aller dans la société où travaille notre petite Elvis pour choisir leur community manager. Elvis va se cacher dans les toilettes en apprenant que les Hounfouls sont là. Elle fait non, non, mais il n'y a pas moyen que je rencontre mon idole si je l'aime pas, si comment ça se passe et tout, comment je dois réagir. Et suite à sa réaction, bah, il y a un des membres du groupe qui a cru qu'elle détestait le groupe et qui s'est dit bah, ce serait une bonne idée de la prendre comme community manager, puisqu'elle nous aime pas, elle nous adule pas. Enfin bref, on n'a pas trop de raisons que tous nos secrets soient dévoilés sur les réseaux sociaux. Sauf que bah, c'est un gros mensonge, donc elle va devoir les accompagner en tournée, suivre Hoxton. Hoxton qui n'est pas ravi d'avoir quelqu'un derrière lui tout le temps, à devoir le photographier, qui doit le suivre un petit peu de partout. Ça va être un petit peu tendax entre les deux personnages. Et elle doit maintenir les apparences qu'elle ne les aime pas vraiment. Et en même temps, bah, quand elle va voir le caractère de chien qu'a Hoxton, c'est un petit peu la déception pour elle, elle qui l'idolâtrait vraiment depuis toujours. Voilà un petit peu pour le pitch. J'ai vraiment passé un très bon moment avec cette comédie romantique. J'étais dans un mood pour le lire où j'avais besoin de légèreté et c'est ce que j'ai eu avec de belles thématiques. Je vous explique. C.S. Quill, elle nous a mis en avant des personnages qui sont nuancés, qui sont profonds et qui ont de l'humour. Du coup, comme il y a énormément d'humour disséminé au gré du roman, ça rend vraiment l'atmosphère vraiment très très légère. Et personnellement, moi, c'est ce que je recherche quand je lis une comédie romantique. On est vraiment plongé au cœur d'un je t'aime moi non plus qui est très très divertissant, et c'est ça que j'ai aimé dans ce roman. On a Hoxton qui est assez ronchon, Elvis qui est un petit peu la joie de vivre, et tous deux ont un caractère où on se rentre facilement dedans, on se lance des petites pique et tout bien placé. Et du coup bah, les dialogues, mais je les ai vraiment adorés, c'était piquant à souhait, c'était drôle, c'était frais, et il y avait cette attraction entre les deux personnages qui prend le temps de s'installer, qui est évidente pour tout le monde sauf pour les personnages. Vous voyez un petit peu le genre quoi, c'est vraiment très très fun. Après, on a des personnages secondaires qui sont géniaux aussi. J'ai adoré les voir voguer autour de notre couple de héros. Mais surtout, on a leur histoire à eux qui se développe aussi. Vous savez, on a le petit rigolo du groupe qui est toujours là à faire le clown et tout ça. On a le mec un peu introverti, un petit peu bizarre, qui a ses petites manies. On a une jeune femme qui a beaucoup de caractère et qui envoie chier tous ceux qui l'enquiquinent au quotidien. C'est le genre de nana qui défend bec et oncle les gens qu'elle aime. Et personnellement, on aimerait tous avoir une amie comme ça. Enfin bref, à travers ces groupes de musique qu'on suit en tournée et notre héroïne, on a vraiment l'impression de faire partie d'une grande famille.
et on se sent bien. En plus, on a beaucoup de diversité dans ce roman. Cette diversité, elle est normale en fait, on n'en fait pas tout un plat, même si celle-ci est très importante pour l'histoire parce qu'on apprend dès le début que notre héroïne est atteinte de diabète et son patron demande à notre héroïne que le groupe ne s'aperçoive pas de ses soucis de santé. Ce qui risque de causer des problèmes, vous vous en doutez, mais on a aussi d'autres thématiques comme la cécité parce que la meilleure amie de notre héroïne est malvoyante. Et je trouve que ce sont des thématiques qu'on ne voit pas beaucoup en romance et ça c'est vraiment un aspect que j'ai beaucoup beaucoup aimé, qui est très très chouette. Enfin bref, c'était une histoire très très sympa, certes prévisible sur beaucoup d'aspects, mais ça c'est quelque chose que l'on retrouve dans beaucoup de romances, et en lisant ce genre de comédie romantique, je m'attendais pas à de l'originalité de fou en fait, je m'attendais pas à quelque chose d'innovant, pas du tout, mais par contre j'attendais de l'humour, j'attendais des personnages avec de la personnalité, du piquant, et j'ai eu ces aspects là et c'est tout ce qui compte. À présent, je vais vous parler d'une romantaisie qui est le troisième tome d'une saga. Il s'agit de Glim, de la saga d'Oren de Raven Kennedy. Encore un livre disponible sur Nextory. D'ailleurs, je l'ai lu sur la plateforme parce que je ne les ai pas achetés en papier, ces livres-là. Et donc, on est sur une réécriture du roi Midas, assez sombre et tout ça. Je ne vous en dis pas plus concernant le résumé, étant donné que c'est une saga que je vous parle à chaque fois. Jamais très très longtemps après la sortie des tomes, et surtout mes updates sont quand même assez rapprochés concernant cette saga. De ce fait, vous pouvez retrouver facilement mes avis lecture sur le tome 1 et le tome 2. Le tome 1 m'avait vraiment laissé un sentiment de scepticité concernant la saga, les personnages, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de sombre. Dans le fait que on est avec une héroïne qui s'appelle Oren, qui est un petit peu le joujou du roi Midas, et la place de la femme n'est pas du tout idéale parce que le roi Midas a différentes pouliches et ça m'avait un peu dérangée. Et notre héroïne n'avait pas forcément ce côté rebelle au début. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup dérangée, mais je sentais que l'univers allait être très très prometteur. De ce fait, j'ai lu le tome 2. Le tome 2, on avait vraiment le côté d'émancipation féminine qui commençait à prendre de l'ampleur avec une prise de conscience. Et ce tome 3, ça a vraiment été un apothéose. J'ai vu la saga évoluer et notre héroïne devenir une fleur qui s'embellit et qui a des épines qui lui poussent. En fait, c'est devenu une rose, quoi. Vous savez, une rose un peu bien piquante qui ne se laisse plus faire. Et c'est tout ce que je souhaitais dans la saga, en fait. Je souhaitais vraiment qu'on ait des beaux messages et surtout qu'on n'ait pas des femmes qui sont les objets des hommes. Cette réécriture du roi Midas, elle est difficile et elle est incroyable. Comme je vous ai dit, il y a de nombreux trigger warnings qui sont en lien avec tout ce que je vous ai dit sur la femme. Mais on a aussi des scènes qui retournent un petit peu l'estomac parce qu'on n'est pas dans le monde du bisounours. Et même si les femmes évoluent, notamment notre héroïne qui avait besoin d'un bon coup de pied au derrière dans le premier tome pour voir que fallait qu'elle se bouge, quoi. Fallait qu'elle réalise que sa condition n'était pas normale. Et ce qui se passe dans le tome 3, c'est pas rose non plus. Et à certains moments, je me suis vraiment sentie mal pour certaines femmes, certaines choses qui se passaient. Et du coup, en fonction des événements, ça a renforcé ma joie à certains autres moments clés. Enfin, c'est très très dur de vous en parler sans spoiler. Mais vraiment, vous imaginez même pas. Ce tome, je l'ai tellement aimé que je l'ai commencé un dimanche en fin de matinée. Et le dimanche avant de me coucher, il était terminé. Donc croyez-moi que c'était vraiment une très très chouette lecture. Et du coup, maintenant, j'hésite à me procurer les tomes en papier d'ailleurs. Pour tout vous dire, je crois que dans une saga, je n'ai jamais autant haï un personnage masculin que le roi Midas. J'avais vraiment des pensées horribles à son encontre, j'avais des envies de torture, de meurtre. C'est très rare que ça m'arrive. Mais mince! Mais voilà, je sais qui j'aurais dû tuer dans le tag romantaisie dont je vous ai parlé la semaine dernière, où j'avais vraiment hésité. Voilà. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas, c'était la vidéo de samedi dernier. Et du coup, vous avez un autre exemple de réponse sur le personnage que j'aimerais tuer.
ce serait le roi Midas. J'y avais pas pensé parce que j'ai pas le livre en format papier et des fois j'ai besoin de voir les livres en visuel pour penser à certaines choses. Concernant mon avis de ce tome 3, je trouve qu'on a une très très belle évolution des personnages. On a un univers qui prend de l'ampleur et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et on a un tome qui contient beaucoup plus de points de vue que les précédents et j'ai adoré ça parce que je trouve que ça rajoute beaucoup de choses et surtout on voit la complexité de tout ce qui se passe au niveau sociopolitique dans cet univers qui se dessine au travers des différentes intrigues et on a vraiment un aspect global parce qu'il y a plusieurs têtes couronnées qui interviennent au sein de cet univers et avec les différents points de vue ça rajoute mais vraiment vraiment quelque chose. Pour moi, comme je vous ai dit, le plus jouissif dans cette histoire, c'était vraiment tout ce qui touchait à l'émancipation féminine. C'était incroyable, mes espérances ont vraiment été comblées et ça a été vraiment un apothéose. Hein. C'était vraiment quelque chose, c'était vraiment immersif, c'était vraiment bien. Ce tome 3, je l'ai vraiment dévoré en quelques heures. La fin m'a laissé sans voix, clairement. Et là, j'ai qu'une envie, c'est d'avoir le tome 4 sous la main, parce que j'ai ce besoin de savoir ce qui va se passer, j'ai besoin d'en apprendre plus. Et avec l'ampleur de la magie, l'ampleur du monde, et tout ce que j'ai vu arriver au niveau sociopolitique, le développement de cet univers, croyez-moi que si le premier tome est mitigé, mais la suite, elle monte vraiment, vraiment d'un cran, et ça monte vraiment crescendo. Le tome 2 est un peu mieux, mais le tome 3... mais incroyable, incroyable. Ça fait un peu comme Kelleana dans sa Régimas, vous voyez. Les deux premiers tomes sont sympas, mais cassent pas trois pattes à un canard. Et après, ça devient incroyable à partir du tome 3. Et bah la saga d'Oren, c'est exactement ça. Je termine cette vidéo avec mon ressenti sur une saga de manga qui est Tant que nous serons ensemble de Yuki Akaneda que j'avais emprunté à la bibliothèque. Je vous ai parlé il y a quelques temps du tome 1, 2, 3 et aujourd'hui je vais vous parler du tome 4, 5, 6. Donc on est sur une saga avec un amour interdit entre une frère et une sœur mais quelque chose d'assez platonique et on vogue à travers l'histoire de ces deux passés pour voir... comment ils en sont arrivés aujourd'hui à ce qu'ils en sont et qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, si dans le résumé officiel, on nous dit que nos deux personnages vivent dans la même maison, ils ont le même nom de famille, mais et que tout le monde les prend pour un couple marié, on n'a pas forcément d'explication. À présent, l'histoire avance, on a quelques explications, on voit un petit peu l'évolution des personnages et tout ça, et cette suite m'a mise vraiment très très mal à l'aise parce que... la thématique est quand même un peu particulière quand on sait que nos personnages sont frères et sœurs et qu'ils passent pour un couple marié et qu'on voit qu'il y a certains sentiments qui sont pas forcément les plus sains même s'il ne se passe rien entre les personnages. Malgré tout, même si je le savais, j'étais plus que gênée à travers certaines actions, à travers certains comportements. Ça me faisait un petit peu comme quand on voit les Targaryens ensemble dans Game of Thrones, vous voyez. On sait que c'est pas normal, on sait que c'est pas la norme, et donc ça met un petit peu mal à l'aise du fait que les personnes ont les mêmes parents quoi. Après, malgré tout ça, il y a certains personnages dont celui de Kay qui est le personnage masculin qui m'a fait de la peine à plusieurs reprises parce que on a un personnage masculin qui manque de confiance, qui ne sait pas forcément faire grand chose. Du moins, on nous le dépeint comme ça, mais je suppose qu'il a d'autres qualités, comme tout le monde. On a tous nos points faibles et nos points forts. Et du coup, le fait que il soit maladroit, que lui-même se juge durement et que les autres le jugent durement, ça m'a beaucoup peinée. J'ai aussi été dérangée parce que notre héroïne, Aki, elle est un peu trop parfaite. Elle est un peu trop idéalisée et du coup entre les deux personnages il y a un contraste qui est assez énorme, un fossé entre eux et c'était assez gênant sachant que l'héroïne elle est vraiment mise en avant pour des talents de personne qui cuisine, qui fait le ménage et tout ça et de façon genre parfaite quoi, ça faisait un petit peu le cliché de la femme à la maison et ça c'est une image que j'aime pas trop.
Honnêtement, j'aimerais beaucoup que les mœurs évoluent. Après, on est dans un shoujo, ça se passe au Japon, c'est assez traditionnel et de ce fait, ces choses-là sont accentuées, mais malgré tout, j'aimerais voir des choses un peu plus modernes. Et aujourd'hui, bah, ces thématiques-là, j'aime pas les voir en fait. Je veux voir les choses un petit peu évoluer, sachant que c'est une série de mangas qui n'est pas terminée. Je crois qu'il y a 6 tomes de sortie pour le moment, donc je suis à jour. Et les autres ne sont pas sortis. Après, en dehors de cela, bah, je trouve que l'histoire reste assez mignonne, assez drôle sur d'autres aspects. Les graphismes, ils sont très très doux. Et même si, pas mal de choses me mettent mal à l'aise. Le pitch attire ma curiosité et j'aimerais voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va toujours prendre nos deux frères et sœurs pour un couple marié? Est-ce qu'il va se passer réellement quelque chose entre eux? Ou est-ce qu'ils vont prendre conscience que tout ce qui se passe, c'est malsain et qu'ils devraient trouver quelqu'un d'autre pour faire leur vie? Enfin bref, je ne sais pas. Mais je suis curieuse de voir ce que ça va donner, même si je suis assez mal à l'aise lors de ma lecture. Voilà, ce sera tout pour ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de les tourner. J'adore vous parler de mes lectures. N'hésitez pas à me parler des vôtres en commentaire. Qu'est-ce que vous avez lu dernièrement? Qu'est-ce que vous lisez? Est-ce que vous aimez ou pas? Avez-vous lu un des livres que j'ai mentionné dans cette vidéo? Enfin bref. J'ai très très hâte de vous lire et de vous répondre. Si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un emoji en lien avec la plage. Voilà. Parce que c'est l'été, il fait chaud et tout ça. Un emoji en lien avec la plage. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, moi je vous fais plein plein de bisous. Je vous souhaite un très bon week-end, de très très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!